vient d'où sur quelqu'un comme si elle veut tuer quelqu'un. Comme si elle veut finir. Comme si elle a envie qu'on coupe sa tête une fois. C'est même comme ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Mais attendez, c'est toujours comme ça qu'elle commence. Un peu, elle va grimper sur lui. Quand elle va sentir que non, le terrain est mou, elle va aller s'agripper sur lui. Tu avais exposé, commencé à inventer une grosse mytho menteuse. Mais ça ne va pas, là. Mais ça ne va pas. Je me dis que peut-être tu prends quelque chose qui... Ça ne, c'est comment? C'est arrivé là-bas, maman. C'est déjà arrivé sur le couple, mais sans maman. Ce n'est pas mon couple, hein. Mon couple, c'est le couple Amot. Mais, ma chérie, la façon que le monsieur là et sa femme t'ont valorisé anti-Zamboam, partager tes choses. Maman, moi, je suis toujours là que j'aide les gens. Hein. Mais c'est rare si ce n'est pas mes gens, les abeilles et mes lionceaux. C'est rare que vous allez voir les autres teams là, les autres gens là partager mes choses. Ou mes publicités, ou c'est quoi. Mais moi, je ne me plains pas, hein. Il y a aussi les priscalines, les jeunes blogueurs là qui partagent. Les tigresses. C'est rare que les autres là, vous voyez, ils me soutiennent. Ils partagent mes choses. Non. Mais un gars qui a eu la chance, tout le monde, c'est-à-dire que tous les grands blogueurs qu'elle insulte aujourd'hui là, l'ont soutenu. Elle se permet aujourd'hui de poser sa caméra pour dire couple, mais sans qu'elle, c'est quand il sent qu'il n'est fini jamais, parce que tu élargis ton corps. Mais si on se rapproche de toi, on dirait, tu ne t'es même pas lavé depuis 2 jours. Mais c'est toi qui poses ta caméra pour parler au couple, mais sans maman. Les vieux papas, hein, qui sont positionnés pour les jouer comme les enfants. Lui, au moins, s'il est le père de quelqu'un, présente ton père. Parle-nous de ton père. C'est un vieux papa, parle-nous de ton père. Parle-nous de ton mari. Est-ce que tu peux nous parler de ton mari? Tu as déjà, on n'a jamais, depuis que tu fais le live, on n'a jamais entendu. Chérie, s'il te plaît, tu peux me donner. Mais attends, mais parle-nous de ta famille, putain. Quand tu l'appelles vieux papa, ton père comment? On connaît où il se cache dans quel. On connaît même ta famille. Une pisseuse au lit comme toi, tu viens parler du couple. Tu parles jusqu'à, tu poses ta caméra pour parler du couple, mais sans maman. Tu as fini de ramasser tes urines pour venir poser ta caméra pour parler du couple méchant. Hein? Maman, qui t'a donné le pouvoir là? Qui t'a donné, c'est-à-dire que qui t'a donné le toupet de prendre tes pulls, tes fesses qui sentent mal là? Qu'on a déchiré partout tous les jours et sans contrôler là pour parler du couple méchant, maman. Je permets à tout le monde, hein, de parler du couple méchant. Mais toi là seulement. Toi là seulement, je m'assois sur ta tête. Je m'assois sur ton cerveau là. Il y a le couple Messan, le couple Amot. Mamamoun, tu les branches, je suis sur toi. Depuis quand qui t'a permis ça, maman? Et mes mamoun, tu connais, mes mamans que tu connais là. Tu connais mon cercle, donc ne les traverse pas. Tu as bu quoi, maman? Quand tu as bu quoi pour t'asseoir et crier fort là où monsieur me s'en parle? C'est toujours le mélange. C'est le mélange comme ça. Hein, quand vous ne connaissez pas à qui donner la visibilité, à qui, quand vous ne connaissez pas qui vous allez encourager en fait. Tu as pris le courage où? Comme tu as. Jusqu'à mettre tes fesses pour crier devant le couple me s'en. Même moi, à l'époque, quand j'avais réclamé certaines choses, c'était pas comme ça que je parlais. C'est quelle façon de t'adresser à eux, ça? Hein? Des vieux papas, toi, tu as quel âge? Ton mari, même, à quel âge? Parle-nous de toi. Mais quand on regarde ta misérable vie, toi, tu peux sortir avec quelqu'un qui est debout comme le couple, comme le monsieur Messin. Ton mari, à son âge, sera comme lui? Non, mais tu fais honte. Je vais même devenir... Ça, c'est quoi, ça? C'est quel désordre ça, mon frère? Est-ce que toi, tu... Yeah! Quand tu as... Ha! Oup, allô, maman? Non. Hein, mamie? Donc, c'est... Yeah! Je bégaye même. C'est-à-dire que une fille, que si elle était au Cameroun, c'est que... même c'est-à-dire que même les pousseurs ne devaient même pas la draguer. Il n'y a que les soulards.
Les sous-là qui quand il n'a pas bu 4,33 et mangé 2 porcs, il ne va pas. Il ne va pas te draguer. Il n'y a que la catégorie là qui pouvait te draguer. Les sous-là et les Nivaki n'avaient raison. Les violeurs. Il n'y a que ces gens-là pour te draguer si tu étais au Cameroun. Sinon, quelle était ta vie quand tu étais au pays pour te placer et parler fort à un monsieur comme monsieur Messan qui regroupe 5000 personnes en un laps de temps. Quand tu étais au Cameroun, tu avais quelle misérable vie? Tu avais quel homme? Tous les jours, tu parles de colonel. Viens positionner le colonel là si il dépasse le monsieur Messan. Même seulement en charisme. La personne qui a mis la tête de mort sur les étoiles là, je vais te bloquer après le live. Donc si tu es sage, tu enlèves ta tête de mort. Même le même monsieur, c'est-à-dire que mets la photo de ton colonel que tu as dit que tu es au Cameroun, que tu as donné. Tous les jours, tu dis que tu as donné mes vidéos et mon nom. D'accord, tata Esther. Hein? Amène ton colonel là, parce que c'est le seul riche. C'est peut-être le seul, je ne sais pas qui, c'est ta personnalité que tu connais dans ta vie. Amène ton colonel là, on voit s'il a un peu de ce charisme. Mais regardez-moi la poubelle, un dotique qui se lève le matin, elles n'ont même pas encore brossé les dents, elles puent de la merde, le chiou ne respire plus. Elles viennent poser là, tu viens poser ta caméra pour parler à un monsieur, à un papa, à un grand-père. Jusqu'à dire que les grands-pères, tu verses ton corps sur les gens. Tu ne peux pas te respecter, ma chérie. Tu ne peux pas te respecter. On attend tes diplômes. Hein. On attend tes diplômes. Tu nous as dit que tu faisais une formation. Hein. Tu nous as dit que tu faisais une formation. On attend ton diplôme ici, là. Bientôt, je vais commencer les challenges diplômes. On attend ton diplôme ici. Parce qu'il veut être la team de vérité. Parce qu'il veut commander les gens. Vous dites que non, on doit les appeler les présidents. Président caca. Président caca. Partagez-moi le tiré, là, ma chérie. Ma chérie, tu n'es qu'une misérable. C'est-à-dire que quand tu parles des nobles personnes comme ça, on a la chair de poule. On se demande où tu prends le toupet. D'où te vient ce petit courage minable-là. Pour que tu poses tes fesses qui coulent là. Pour parler des nobles personnes. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas parfaits, ils sont quand même... Quand on les voit, ils sont nobles. Présentement, c'est-à-dire que même la présentation, avant d'entrer dans l'habitude, ils sont d'abord nobles. Présentement, c'est-à-dire que à la présentation, vous comprenez ce que je veux dire. Même quand ils parlent, ils sont élégants. Tu sors d'où? Tu sors de quel trou? Ouais, you know who? Tu es l'enfant de qui? Le charisme, il n'y a pas... Mais même, moi, si je dis même que le couple me sent, ils seront même contents que la lionne nous abrace aujourd'hui. Toi, même la poubelle, le doti. C'est-à-dire que le genre de fille, que dès que tu soulèves ses aisselles comme ça, là, si elle a transpiré, elle sent. Elle pue la merde. Tu lui mets même dans ta maison. Dès qu'elle entre chez toi, l'odeur. Tu t'assois. Pour parler des nobles personnes. Pour t'adresser aux nobles personnes. Tu te prends pour qui en fait? Tu sors d'où? Tu t'es lavé? Au sournois. Hein? Tu t'es déjà lavé pour venir parler aux nobles personnes? Je vous ai dit, arrêtez là. Hein? Elle vient tout comme ça. Hein? Elle vient un peu comme ça là. Demain, vous allez entendre qu'elle s'est assise sur la femme de M. Messan. Demain, vous allez entendre qu'elle est sur la vie de M. Messan. Il faut que vous arrêtez ça. Hapata. Bombo va framponner dans Cameroun. Maman, même vous, ses abonnés, vous souffrez. Pas le nom de quelqu'un ici, ma chérie. Allez là-bas avec ça. Moi, alors, je suis là pour parler des choses réelles. Alors, comment vous embrouille. Vous êtes versé dans les maisons pour manger le social. Hey. Ces vieux pères, ils ont raté. Les gens mangent le social. Toi, tu ne manges pas le. Mais ça... Attendez. On dit souvent que...
C'est le fou. Attends, c'est la charité. C'est le. C'est qui? On dit soit. Il y a un proverbe là qui dit que. C'est le fou qui se. C'est quoi? C'est le fou qui s'en fout de la charité. C'est qui? On dit souvent quoi là? Il y a un proverbe là qui dit. Mais attends, ma chérie. Toi-même, tu manges quoi? Depuis que tu es en Beng, depuis que tu es là-bas, tu manges quoi pour venir réclamer aux gens qu'ils mangent le social? Tu t'en sors avec quoi? Non, mais sérieux, tu as un problème. Voilà, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Merci, Tata Henriette. Merci, Yannick. Depuis que tu es quitté du Cameroun, ça fait 5 ans, ma soeur. Je ne te clash pas. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans même. Tu travailles quoi en fait? Tu as travaillé quoi? Tu manges quoi? Tu te nourris de quoi? Qui s'occupe de toi? Donc c'est toi seul qui dois profiter du social. Les autres ne peuvent pas profiter du social. Parce qu'il y a une senteuse de Bepana qui a fait le boza et est arrivée en Italie. Donc à cause de toi, les gens vont arrêter de profiter du social. Parce que tu es là. Toi-même, tu consommes quoi? Tu ne consommes pas du social, tu travailles. Tous les jours ici, on t'a chassé ici fatigué. Que va travailler, va faire une formation. Il y a beaucoup de gens qui mangent le social, mais ils travaillent. Le couple, mais ça mange le social, mais ils travaillent. Il va travailler, on sait qu'il travaille, même si c'est qu'il pousse, il travaille. Toi qui manges le social, tu travailles. Mais tu ne vois pas que toi-même, non, vrai de vrai, sans injure, Conchap de l'Italie. Toi-même, tu ne vois pas que tu n'aimes. Tu ne vois pas que tu es affolée. Toi-même, tu ne vois pas que tu as, il y a quelque chose sur ta tête qui ne va pas. Toi, tu manges le social, mais tu viens dénoncer que les gens ne mangent, les gens sont en train de manger le social, maman. Tu viens insulter les gens avec, alors que c'est ta nourriture, c'est à base de ça que tu nourris tes frères en Afrique. Tu nourris tout le monde avec. Mais tu viens insulter les gens qui mangent, qu'on les aide. Non, attendez. Vous êtes sûr que quand la fille était au Cameroun, elle ne s'est pas échappée dans l'asile des fous là-bas à la Quintini? Vous êtes sûr qu'elle n'a pas, elle s'est pas échappée là-bas pour Boza? Vous êtes sûr qu'elle ne s'est pas échappée là-bas à la Quintini dans l'asile des fous? Vous êtes sûr? Parce que je ne peux pas être là que je bois de l'eau. Je viens insulter ma mère Flo Kungan. Que pourquoi tu bois aussi de l'eau? Je prends l'exemple des 2 plus 3 pour que les 2 plus 3 comprennent. Coucou Flore. Flore la douce. Simple exemple, je bois de l'eau. Je viens insulter ma mère Kungan qui est là. Que tu bois de l'eau. Toi aussi tu bois de l'eau. Pourquoi tu bois de l'eau? Espèce de buveuse d'eau. Ce n'est pas qu'elle est bête, ma. Mais Jean, ce n'est pas la bêtise. Ce n'est pas une perdue là-bas en Italie par hasard. Vous avez vu le film qu'on dit un Indien dans la ville. L'Indien dans la ville était même intelligent. Ce n'est pas la bêtise. Et puis quand on lui dit arrête, elle continue. Tu continues. Tu n'arrêtes pas, tu continues. Tu continues dans ta bêtise. Toi-même, tu ne vois pas que tu délies. Tu ne vois pas que toi-même, tu dois aller te rendre dans un asile de fous là-bas en Italie. Tu dois aller t'enfermer ou dans un cuse de désintoxication. Tu ne vois pas que ça... Mais attends, tu es bête. Mais laisse-moi te dire, tu es bête. C'est quelle façon d'être bête, ça? Ou bien, bon, peut-être c'est la... Je me dis, c'est la caméra ou quoi? Parce que c'est ignoble. Ça, c'est quoi? La vie. Ils ont déjà tout fait dans leur vie. Ils viennent vous embrouiller sur les réseaux sociaux. On n'a plus mieux à faire. Hey. La toile camerounaise, il n'y a pas un bon bœuf. Dans la toile camerounaise, il n'y a jamais de bon bœuf. Jamais. C'est que des faux bœufs. Voilà. Dans la toile camerounaise, il n'y a jamais de bon buzz. Mais attends, tu es ivoirienne.
tu es tchadienne. Mais toi, puisqu'il n'y a jamais de bon buzz, mais toi, tu peux créer un bon buzz, ma chérie. Tu n'es pas un être humain pour créer un bon buzz. Pour qu'on dise que, oh, enfin, une qui crée un bon buzz. Déjà, tu nous souilles même d'abord. Tu souilles d'abord les blogueurs camerounais. Nous, on se cache même d'abord quand tu fais tes directs. Tu viens encore dire que dans la toile camerounaise, il n'y a pas de bon buzz. Qu'est-ce que tu en sais du bon buzz? Tu connais la différence entre le mal et le mauvais pour connaître déjà le bon buzz. Est-ce que tu connais d'abord la... Simple exemple, tu connais la différence. Parce que toi, dans ta team, quand on vous voit venir avec les marabouts sur Facebook, on comprend tout simplement que vous ne connaissez pas faire la différence entre le bien et le mal. Tellement que vous pensez que tout le monde est comme vous. Si tu connaissais, si vous distinguez un peu la différence entre le bon et le mal, c'est que vous ne venez pas exposer vos bêtises sur les réseaux sociaux. Tu dis que quoi, mamie?